Amour à tous. Donc, c'est un message de Dieu, commencé le 27, et puis il m'a fallu une dizaine de jours pour le recevoir complètement. Le titre, c'est Il te reste à ne plus laisser s'imbiber la terre du rouge du sang. Donc, Dieu, amour, mes chéris, le 15 août a parlé, a chanté, mieux a brassé des sentiments. Ce terrain vierge, quand il n'est pas stérile, doit devenir une ville, ta ville. Ensemble, nous verrons pour ton département et ton pays. Tu sais depuis longtemps que tout ce que tu vois, tu entends et tu peux ajouter ce que tu sais est pour ton accomplissement. Je sais, il manque ce que tu ressens. Tu te doutes que je n'ai pas un trou de mémoire. Mais ce dernier élément est tellement important que je veux le traiter à part. Voir, entendre, savoir sont venus par tes sens. Ressentir est caressé par la douceur des pensées. Mais ce n'est pas un état productif puisqu'imposé. L'important n'étant pas les cartes dans ta main, mais ce que tu vas en faire. Le sentiment avant d'être ton monde est le mien. Dans l'amour, ils foisonnent. En fait, tout est géré par eux. Et comme ils te troublent ou te tarabustent, notre dialogue à ce niveau, autre que faire ton ménage avec moi, est capital. Fraternel, maternel, amicaux, cela devrait faire tourner rond le monde. Se charmer pour s'épouser est tellement mon seul but que tout ce qui y amène est attirant. Séduire ne peut pas être que physique, il y aurait sinon bien peu de couples. Et à part un coup de foudre, vous avez entre vous les mêmes difficultés qu'avec moi. Vous aimez ma création, mes œuvres, mais prendre le pont pour désirer ma personne à un péage. Produire comme je l'ai fait naître et le nourrit, le besoin de toi. Depuis des années, j'amoindris le mal. Mais le faire disparaître serait éliminé. Je devrais déjà provoquer l'arrêt du cœur de ceux qui peuvent transformer un pays et ce voisin en poudrière. J'y ai pensé, sois-en certain. Mais tu es toujours libre. Et les millions de moutons qui se sont programmés pour aller à leur pas vers le précipice ont besoin de plus qu'un coup de vent pour dévier de leur chemin suicidaire. Mais tu es mon allié dans le bien. Profite de tes craintes, des images plus ou moins insoutenables, des décisions des chefs pour bénir violemment les situations. Tu n'es sûrement pas dans le pays ciblé. Il n'est plus question d'applaudir un athlète, de réussir une affaire ou même de bénir un voisin. Tu es tout-puissant dans le bien, sur les lieux du mal ou ailleurs. J'ai fait la création pour me donner en époux à chacun sur toute la terre. Le moindre jugement amoindrit ta puissance, car c'est le temps perdu dans lequel tu ne produis pas. En tant que père, je t'ai guidé. Les sentiments fécondables t'offrent tout ce que je suis. Donc, au minimum, le troisième livre du miracle de régénérescence peut s'accomplir, sans plus te sentir missionnaire, mais par la vie que je t'ai insufflée. Humain. C'est vrai, nous n'avons pas les mêmes goûts, mais si tu écoutes tes aspirations profondes, tu es une envie d'aimer, d'être aimé, coiffée par le besoin de ne pas passer. Je me suis ingénié pour, sans vous brûler, vous créer le miracle de régénérescence. Et que tu le croises ou pas, dès la lecture des trois livres, ton passé est mort. Au 15 août, j'ai insisté car tu étais retourné aux anciennes amours de tes erreurs. Le coma de tes croyances nomme un amalgame inconscient qui t'accroche, alors que c'est faux. Chaque matin qui t'éveille te voit renaître. La Terre n'est plus à la même place dans ta galaxie et ne reviendra plus jamais à la même place dans le cosmos. Et moi, j'ai œuvré. C'est une montagne à détruire. Que de te réveiller neuf le matin, alors que tu t'es endormi seulement plus rempli de peur, d'humeur ou d'échec, plutôt que de joie de vivre, de plaisir d'être, de soif de bien faire.
Bien sûr que je ne t'impose pas de vouloir mon étreinte, mais qu'est-ce que je te polarise? Et ta valeur est dans tes choix. Souvent, ta décision sans moi frise à la vitesse de la lumière. Mais pour quel désastre! Je ne fais jamais d'erreur, ni pour mes productions, ni pour ton animation. Et je t'ai déjà soufflé par Thérèse que mieux que la perfection figée, je t'appelle à vouloir l'excellence et la qualité de ses goûts. Ce que tu formes sur la terre sera à toi, dans ton âme, inviolable. Ton âme. Ce coffre-fort invisible limité à la garde de tes trésors, mais infini par la clé du cœur. Cadenassé par état, un peu comme mon paradis, elle ne permet aucune intrusion intempestive. Et plus que n'importe quel site charmant et bucolique, tu peux te reposer en elle. Du fait que j'ai fait des créations à ta place, c'est quand même un meublé. Mais les sentiments des êtres de lumière et les miens ont bâti ta demeure et t'émerveillent des choses de bon goût. C'était obligé. Le vide irremplissable aurait fini par t'engouffrer. Si je peux t'alerter de cette façon, c'est que tu es apte à transformer, colorer, jardiner, pour qu'après 2 millions d'années, tu aies enfin un chez-toi. J'ai engendré l'amour. Tu sais que toutes créations qui n'ont plus leur utilité disparaissent? Cette création n'avait pas à apparaître puisque j'aimais. Et j'aime tout ce que je fais. Mais pour faire naître des êtres, c'était non seulement un volume de passion nouvelle qui devait voir le jour, mais comme il s'agissait d'un autre, le fils virtuel de mon rêve allait devoir se gérer et s'harmoniser sur ce qui serait sa vie, l'amour des choses, des personnes et surtout de moi-même. Tu connais l'état du monde, tu vois donc ce que j'ai accepté, ce que j'ai dû accepter pour ne pas voir se flétrir la rose de ta liberté. Et tu peux comprendre qu'un minimum de passion me permettra de révéler ma présence. Tu as mon aide, particulièrement à chaque fête, dans lesquelles je charge, le terme est juste, toute la puissance de mes créations avec les moyens que j'ai. Le 15 août fut un enchantement. Avant le sacrement, pendant, et surtout après. Quelques feux d'artifice étant trop hauts pour toi, les retombées différentes étaient toujours jolies. Je n'ai plus les mêmes moyens car tu n'es plus aussi focalisé. Mais ce point de départ peut toujours être utilisé et croître. Je me suis donné totalement. Un minimum de ta part est exigible. Je t'avais beaucoup plus que susurré que je voulais voir au diable ton exigence, Je t'avais beaucoup plus que susurré que je voulais voir au diable ton exigence, tes compréhensions. Une fois que j'eus fécondé ce que je t'offrais, c'est que tu m'offres. Oulala, excusez-moi. Une fois que j'eus fécondé ce que. Oui, ce que tu m'offrais, voilà. Une fois que j'eus fécondé ce que tu m'offrais, ce que j'offrais, c'est que nous ne soyons plus que toi et moi. Excusez-moi, mais j'avais fait des ratures. Je ne reviens jamais en arrière. La création est faite. Quand tu le veux, tu peux me ressentir ainsi. Lorsque tu as été compris, c'est un plaisir. Lorsque le fruit naît de l'échange, presque inconsciemment, tu en sais la pérennité. Lorsque l'amour lie le tout, tu le sais, c'est sans borne. C'est ma création, mon chéri. Comment peux-tu penser que je sois autre chose? Au minimum, je suis elle. Et parce que tu l'exploites, tu en as déjà vu les émeraudes dans l'âme de celle dont tu remplis le cœur. Je t'ai enseigné, enseignant, parce que je ne pouvais pas te révéler qui je suis. Il était normal que tu te donnes toutes les raisons du monde pour ne pas me choisir, en conséquence ne pas t'accomplir.
La transfusion, contrairement au goutte à goutte de l'évolution, vient de changer une grande partie de ton sang. N'est-ce pas? Une forme de mon esprit te parle, une plume te le transmet. Outil, moyen, qu'importe le flacon, pourvu et l'ivresse, je l'ai. Les passions l'obligent, prises dans mon vœu et dans les vaguelettes de tes correspondances. Vous avez été sauvé, puis allaité. Vous êtes à même d'aller chercher la nourriture la plus adéquate pour ton épanouissement. Ne cherche pas une autre raison au fait que t'intéresse tant et la connaissance de tes aliments et leurs choix. Pas facile, il est vrai, de réaliser que je suis le tout et que si tu as de moins en moins de frontières, je n'en ai jamais su. Tu n'as qu'un critère pour être sûr que je suis le tout en tout et partout, car il te donne les mêmes impressions. C'est ta création d'amour. Elle s'applique à celui qui te côtoie, celui qui est à 5000 km et celui qui est déjà de l'autre côté du miroir. Je te parle de production, de la transformation volontaire de ta haine ou de ton indifférence. La haine pour moi est illégitime et n'apparaît que dans la rougeur de la colère d'une incompréhension. L'indifférence, en pieuvre maléfique, elle est insinuante. Avec son aspect de ne rien toucher, elle se nourrit et digère ce qui semblait vrai. Des projets qui te tenaient à cœur, jusqu'à l'utile, puisque ne me désirant pas, rien ne peut exister. Ce n'est pas dur, c'est absolu. Les illusions ont parcouru les siècles. De ceux qui se sont crus importants, il y a 5000 ans, tu ne peux compter ni les os, ni les grains de poussière. Mais de leur substance, puisque je ne perds rien, tu as un petit héritage de bien. Quelques atomes d'amour ressemés dans une nouvelle matrice, agrémentés de mon nouvel espoir pour un épanouissement direct ou une évolution impatiente. Mais à toi, je parle de cœur ou d'âme. Je te demande la préparation au mois thérésien, avec le but de la fête de la vie. Normalement, ces 31 jours doivent faire tomber les masques, le tien, mais aussi le mien. En fait, l'ensemble des croyances qui ne se prouvent pas par des fruits. Chaque matin, enfin, à ton réveil, tu es dans cet état démasqué. Et c'est la seule vraie vérité de ta journée. Tout ce que tu vas faire dans ce jour peut posséder la fraîcheur de cette naissance. Je suis ton génie, tu peux me demander un souhait pour chaque heure qui s'écoule, ou cumuler tout de suite. Aime me nommer tes désirs, les yeux dans les yeux. Ni Dieu ni maître, c'est ni existence, ni vie. Mais tu es dans le train des mois qui passent. Les tunnels sont ténuis, sauf que j'étais le seul à te les rêver moins noirs, et que j'aime que tu ne fermes pas les yeux lorsque tu retrouves la lumière. Un dernier baiser, mon chéri, le soir est à la douceur, mais tu as vu que pour me rencontrer d'une façon ou d'une autre, il faut une exigence. Tu connais un peu mieux la mienne. Le dialogue avec moi est l'aplanissement des crêtes, la plénitude presque incompréhensible. Mais ose me parler de tes incompréhensions par rapport à ce qui doit nous unir. Les sentiments humains sont déjà à toi. Tous les autres sont à ta portée. Le 15 août n'aurait pas existé si nous n'avions pas promené dans ce jardin-là. La terre, un peu malgré elle, arrosit d'émotions. Il te reste à ne plus la laisser s'imbiber du rouge du sang. Amour, mes chéris, votre Dieu. Voilà, vous pouvez me mettre des commentaires ou me téléphoner au 06 33 35 04 49 ou 04 90 82 36 24 et nous partagerons des choses plus intéressantes encore qui en seront la suite. Amour à tous, très belle fin de journée.